Mesdames et messieurs la famille, Ariel Henry, monsieur son petit jobé. Monsieur son petit jobé, on t'y reste avec les États-Unis d'Amérique. C'est ça, Michel Soka déclaré jodia. Et de fait, selon historien, hein, puisque monsieur son petit jobé, Jean que le dit là, pas gen un yé, ou ka régler avec Ariel Henry dans moment là. Parce que monsieur, c'est yon nèg qui pa gen aucun caractère. C'est tout ça que Blanc dit fait, c'est li la fait. Monsieur pa gen aucune relation avec Haïti. Monsieur, son nèg nan tête li. L'a dit, qui t'aime l'aime avec moun sok dans la rue là, qui t'aime l'aime avec Haïtien, etc. C'est tout ça. Blanc mandil fait, c'est li la fait. Une intervention extraordinaire que Michel Soka fait matin. Comme d'habitude, nous parlons fort un temps de là. Mais bien avant, il faut que nous parlions d'individu ça, qui aurait les BAB, qui trouvait actuellement là, dans la prison, dans le pays d'Haïti. Monsieur, en plus le monde, venu comme un révolutionnaire, en gros bout de tonton militant, etc., etc. Nous songez, il y a quelques semaines, yo te attaqué Kay André Michel, yo te attaqué Kay Majoré Michel, yo te ciblé Kay Edmond Supplice Bozil. Eh bien, gagnez un monde sao te identifié individu ça comme moun qui te fait partie de Silao Talboule Kayo, etc. Bon, la justice ou bien commissaire gouvernement dans Port-au-Prince te lagué mandat derrière monsieur semble-t-il et yo arrêté monsieur. Monsieur actuellement là, leader 4 Mirailles, on pas connaît qui ça yo reproché exactement. Mais sauf que nous connaît gagnant des avocats qui toujours dans affaire manifestation dans le pays d'Haïti, toujours là pour qualifier moun de prisonnier politique qui étant qualifié monsieur comme yon moun que yo arrêté ses persécutions politiques que il a fait un contre monsieur. Qui est monsieur yé, les amis, on faut attendre dernière intervention ça que l'était fait avant que arrêté il y a quelques jour, c'était nos manifestations qui fait qui était faite, c'était surtout après que ministre affaires étrangères t'ai fin fait déclaration, il t'ai fait dans Nations Unies quand elle t'ai dit toute bagaille sous contrôle dans pays d'Haïti. Entendez Bab qui t'a parlé puis n'a pas idée de personnage là, le ça si n'entendez à parler de lui, n'a comprendre mieux de qui est il a parlé. Entendez déclaration choquante ça que elle t'ai fait, c'était nos manifestations que t'as fait dans Port-au-Prince. Généris, faut nous couper l'angle ni. L'homme dit couper l'angle ni. Vous savez, c'est couper son monsieur. Oui. Couper l'angle ni. Rachet oui. Dans. Aïe, elle même, genre. Parce que Généris, comme voleur, oui. Comme traite, oui. Voleur, gang, gang, moun, désagoné. Un gang, moun, c'est d'ailleurs, pète dans le monde. J'en ai 74 ans. Oui. Pour aujourd'hui, à la Nation Unie, c'est un selfie qui paye. Et ça fait moi-même, Généris et Bab qui tout ça. Et, n'a joué un caillou. Et me dit, peuple là, quel que soit caillou, monsieur, côté lui, faut un texte, faut mi, monsieur. Pas quitter, faut mi, Généris qui est en ville dans le pays. C'est matraquel, c'est persécuté, colombe ça. N'est-ce que vous pensez que colombe, c'est pour nous déchouquer, pour nous lâcher pour eux, pour nous connaître pour eux, qui coulent là-dedans. Nous sommes là, comme si peuple, quand vous m'avez dit, même ça va. Qui dernière limite, qui dernière limite, ou bien qui interprétation ou même fait par rapport à avec dernière déclaration. Si on a qui est vice, ou regardez, c'est tout normal, ou bien représenter qui est États-Unis comme corrompu. Gardez Bibou, l'autre États-Unis ou prend Canada, ou prend la France, ou est-ce que l'équipe corrompu. Je veux dire, qui est-ce que vous avez servi. C'est États-Unis, c'est Joe Biden, c'est Moun Sao, mais on sait pas comme monsieur. Pays ça, bataille nous te fait monter pour l'indépendance. Nous pas banquer un vacabon, nèg sale, passer l'indépendance en papier. Et ça fait un petit peuple là, destin, autonomie, c'est pour nous camper pour dignité pour nous gommer. Je dis à pays ça, et pour nous camper pour nous gommer avec voler ça. Je dis ça, et pour nous déchouquer Ariel, et pour nous déchouquer voler ça. Et ça fait un petit peuple là, tout côté nous connaît, qui est ministère. Quatre gassés, depuis ce côté, nous connaissons le directeur général. Cherchez Kayo, voyez des messages sur téléphone. Nous, côté nous connaissons dans l'hôtel, cherchez Junio. Où est-ce qu'on invite l'homme comme voleur, comme bandit qui a kidnappé le monde? Où est Chien Jodia? Chien Jodia, levez contre maintenant. Où invite l'homme monter Jodia dans le monde? Je te pensais là, invite l'homme, t'as assassiné des petits peuples là. En dans le ghetto, mais nous invite l'homme. Toujours continuer à bouler les airs, attracter pour nous casser le village. Vous vous donnez comment village ça est? Belleville. Vous donnez Belleville. L'autre dit Belleville, ceux qui bouquent, peuple dans le ghetto, ils ont des négociations, 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 ils ont
comme c'est bon jouer et même gang que bon ça non continue à tracter bouleversa craser Belleville plate ou pas craquer ou pas craquer son conseil va porter by chef gang là. Oh gardez bon jour vite l'homme t'a terroriste ce peuple là non ma salle en ghetto je pas j'aime dire et pour vite l'homme monter commander les Belleville. Je ne sais pas parce que je ne sais pas. Belvillier, vite l'homme, comme vous êtes sur les boules de sel, passez boules de sel sur le sol. Comme si aujourd'hui, il compte mettre les c'est un cap de vite l'homme, pour te kidnapper petit peuple à l'ambassade. Malgré toute impunité ou le comportement de la police qui est envers nous, Antonio Guterres estime qu'il faut que la police ajoute plus d'enseignement, en façon peut-être pour cabiner nous. Et lui, il faut gagner une autre force armée, une autre force robuste qui pour. Vini intervenir par rapport avec un ensemble gang li estimé qui dans manifestation ou même qui c'est grand militant comment comprendre interprétation ça et qui message va voyer by monsieur en cas où gagne une possibilité pour voir une force armée robuste en Haïti. Premièrement ma première question avant les gangs yo te prend la rue ou comment ça qui passé peuple a tête gourmet yo te prend poids je mettre gang yo dans la rue pour de vieux bataille peuple là ça c'est premier là de vieux bataille peuple là puis on te cité bon gang armé mais je dis à bab dans la rue bab pas goyem 4 dans mais non. Bam pa goyem 60 men lon, pa gonga li lo, baba pep la. Mais yo parle de gang yo. Où est gang yo ka sorti pi ou rive kote yo ya? Gat pep la, yo te pense te ka devye bataille pep la. Je dis presque sous 22 jours. Presque moi pep la dans la ria. A gade bien pour elle. Là parle de la police là. La police a son force pour écraser. Écraser. Bam dit nous bien. Où est quoi de moi monsieur journaliste? Qui quoi de moi? Qui quoi six mois? Où est ça? C'est volé. C'est gang qui la donne. Regardez bien pour eux. C'est gang qui la donne. Où est gang ça? Regardez bien. Il y a travail pour net secteur privé. Petit peuple là, elle prend la rue. C'est au cabal petit peuple là-bas. Regarde, vous prenez la manifestation ouais devant toute banque. Et beaucoup ça passé. Après pita, gon payroll qui va le faire pour eux. Pour eux tout sale, à un bout de pantalon, à un seul enfant sur tel pied. Puis elle brûle bien. En tant que toi, et ça fait. Qu'est-ce que c'est? Next secteur privé, les Akrayo, les Brancho, next salle de grande de la police. Quoi il boit? La poussie! La poussie! Quoi si moi? Quoi il boit? Et quoi qu'il puisse voler là-dedans? Mais même moi, après bataille, ça me fait faire. Ton écrasé, monsieur. Que me disparaître. Je vais le dire pour quoi si moi ça? Chaque jour. Quoi il boit ça? Je vais demander. Bagaille, ça est pour casser. Fatra ça. Qui est le quoi si moi? Quoi il boit? Regardez bien pour elle. Dans tout quoi bandit. Dans tout quoi bandit. Regardez sous plusieurs quoi bandit. Il boit qui implique la donne. Mesdames et messieurs, nous t'attendons. Individu Jacques t'a parlé. Nous t'attendons. Il est très. Là, il est très fort dans le discours. Donc, c'est monsieur que il a arrêté. Il a arrêté monsieur. C'est le commissaire gouvernement pour le président qui fait arrêter monsieur les amis. Avant qu'on fasse entendre Michel Soka, gagné CSPJ a publié un communiqué hier pour le dire année judiciaire, l'ouvri. Et il y a un pile monde qui pas d'accord, en tout cas, on sait de position que on sait de monde a pris. Par exemple, on est. Ou décider ou dit parce que c'est avocat on a fédération barreau et pour bloquer entrer année judiciaire mais la justice il pas bien privé Ariel Henry ou qu'il y a tout problème avec Ariel Henry mais la justice pas bien privé Ariel Henry pour l'ordre doit bloquer là et mon nous en prison pas rien pour avec Ariel Henry qui, bon qui sont pral faire même si c'est pas un maître d'après réglé même si c'est pas un maître nèg dans juste après réglé ça veut dire des fois faut qu'on aller au deux faut qu'on faut qu'on prenne bagaille aux gens qu'on supposé prendre. La justice pas gagne pour avec la politique. Bon, c'est ça le tas de mais nous pas qu'à politiser la justice à tel point. N'a pas dit tout autant Ariel pas aller, tout X pas aller. La justice pas fonctionner. Non, il n'y a pas comme ça. Eh bien, dans ce sens, CSPJ a allé dans le sens commentaire que je fait avant hier. CSPJ a annoncé que l'année judiciaire, il ouvre. C'est même bagaille pour consommer les comptes qui, par un communiqué que le publié sur compte Twitter, dit tout bagaille, ok, ben, la justice ou bien consommer les comptes en tant que service public li recommencer à fonctionner donc yo pral continuer fait travail que te kon fait donc ça c'est déjà pas mal comme nouvelle les amis. Ariel Henry c'est un petit reste avec c'est un petit jobé qui a fait plaisir avec madame Lalime c'est ça et historien Michel Soka fait connait et matin entendez qui t'a préparé une question magique 9 et c'était un très belle interview très belle rallye bon maganette m'a évité entendre Michel Soka. Bon peut-être ben ça fond de magaille parce que matin l'homme t'a dit avant qu'on se voit et avec vous on s'en est parlé
dit des fois, la vie fait bien les choses. C'est parce qu'il y a maintenant près de 30 ans de temps, les conseils d'émission que je fais à l'époque sur Radio Signal FM et au autres contenus de retentissement, et quand on était déjà dans le coup d'État, côté de l'État haïtien, les citoyens, moi, en garde contre le fait que l'économie mondiale a changé. Et le changement de l'économie mondiale, là, ça m'a demandé pour que dans des pays, des dirigeants qui comprennent ça. Et depuis à l'époque, on a dit haïtien à haïtienne, il y a trois bagages fondamentales pour nous comprendre que la nouvelle économie mondiale, là, ça, à l'époque, les nouvelles ordres internationales, là, elles demandaient. Il demande premièrement pour gagner des infrastructures performantes, il demande deuxièmement pour gagner une éducation, un nouveau système d'éducation, qui pour permettre de comprendre que soit l'économie en fait dans le temps. Et pour ça, tout troisièmement, il demande un secteur privé qui peut nommer, ça veut dire un secteur privé dynamique, qui comprend ce qu'il a besoin. Si jamais le gouvernement pourrait mener tourner là, à savoir le gouvernement là, dans le cadre de sa l'exploration de la démocratie, pas comprendre qu'il faut nous sortir du populisme acarique et barbare. Si ça voulait les élites haïtiennes, pas comprendre qu'il faut nous sortir de ça voulait l'économie de l'Europe, pour nous être dans une véritable modernisation, eh bien, nous pourrons le payer conséquences très chères. Le Conseil national, là, le Sali, même, gagnait un premier choix. Le premier choix, c'est que l'Union nous compte que nous ne comprenons pas et que nous comprenons qu'on a toujours continué le même genre. Donc à ce moment-là, Haïti pour le tourner, ça est capable de brûler bon, un couloir pour la cocaïne, parce que la cocaïne est importante pour eux, parce que les aliments qui sont à eux pour des opérations inavouables. Deuxièmement, nous pour le tourner tout un dépôt pour toutes sortes de déchets, des déchets toxiques, parce que non, en pire. C'est un couloir de mon caille. Il y a un côté faire manger, il y a un côté manger, il y a un côté tout recevoir le monde, mais il y a un côté tout à la guette des chers manger. C'est la trine là. Et là, ça va le jouer au la trine là. Et puis, troisièmement, on va le tourner une province commerciale dominicaine. Et nous avons commencé, je ça, lorsque déjà, dans le cadre des sonats, il y a un peu de monde qui parle de dans la période de l'État. Fait atelier tourner des dépôts de manger de nous. Bien sûr, les dirigeants haïtiens n'ont rien compris des nouveaux enjeux, les élites haïtiennes en général et tout. Je te comprends, nous sommes quatre du même genre, et je n'ai aujourd'hui à payer à tourner, sale tourner. Toute nouvelle, sans stress. Et maintenant, pour l'autre conséquence, c'est que, inévitablement, l'international n'a rien ni compte que c'est un pays, bon, définitivement, en termes de partenariat, en termes de collaborateurs, disons, n'y voit pas haut du tout. Donc, à ce moment-là, il servit avec, il choisit, servit donc avec sa joigne. Et puis, bon, il est confortable. Non, le plan, ça veut dire qu'un pays qui fait un couloir coupe, un pays qui sont en latrine, un pays qui fait une province commerciale dominicaine. Les services à qualité de mode dirigeant à eux. Et je n'ai jamais dit à ça que c'est que, bon, vos dirigeants à eux qui fait définitivement que nous sommes un pays qui n'a pas produit rien. C'est importé quoi, importé. C'est pas que l'importation dans tous les pays n'a pas existé. Oui, elle existait. Mais vous pouvez dire que nous ne sommes pas fait. Et à l'époque, nous sommes déjà dit que, par exemple, lors d'une enquête en Floride, par exemple, ou bien New York, quel que soit, dans un département fruits et légumes, disons. Eh bien, oui, on peut être fruits et légumes qui sont du Costa Rica, Jamaïque, République Dominicaine. Haïti qui sont, oui. Bon, tellement. Alors que nous sommes pays qui n'ont pas fait de bagaille. Et maintenant, étant donné que c'était le mauvais choix que nous fait, eh bien, international, la confortable, là, même tout. Il n'y a pas aucun problème. Et puis, au vu de mon résultat, c'est que, ou pas même les dirigeants, quoi. Ou pas même les dirigeants. Alors qu'il est. Je m'abgade, peut-être, dans la rue, quand je m'en dis, quand il y a une rue pour démissionner. Marie-Laye, il va y avoir pouvoir ça. C'est un jobber. Ça veut dire que son monde qui est national là, mais pour dire, chita là, pas fait de changer que son tweet, simplement des madame la lune, qui véritable président de PIA, qui dit, tu vas quitter à tout chez là, qu'est-ce que tes journalistes en attendant,
Et puis, ben, je sais rien. Et puis, Nadou, après ça, n'a pas bon. Les m'a regardé, mon ami, dit que sur les réseaux sociaux, le gouvernement américain, il y a 7 jours pour résoudre le problème là. Il n'y a pas ça, la pauvreté, etc. Non, il n'y a pas rien. Le gouvernement américain n'a pas gagné pour le dire bah, comme ça, parce que ou pas gagné un dirigeant haïtien. C'est fini. C'est fini. Son pays qui perd sa souveraineté, son pays, à un certain moment, où est côté la République dominicaine, je viens de le dire là. Je viens depuis 50 ans, 40 ans, en bande de contrats qui ont été offerts à Haïti, que nos dirigeants de l'époque n'ont pas su saisir, parce que chaque politicien prend des 10%, 15%, 20% pour eux. Il y a l'offre de M. Balaguer, à l'époque, qui était président de la République dominicaine, là, dans les années, fin années 60 déjà. Et puis, il a mis son pays sur le chemin côté au côté avec le niveau là. Le problème que nous gagnons nous-mêmes, son tas historique, on dirait son bagage, par contre, qui n'en gêne, non? Depuis les années 1950-1954, même un peu avant, lorsque les écrits de M. Bonnet, il a adressé à Pétion, il était dit qu'il n'y a pas continuer à diriger un pays comme ça. Ou capable, un homme d'État, ou capable, mais ou pas qu'à continuer à contrôler un petit politicien démagogue, faut qu'on baille pays, faut qu'on baille en route. C'est ça le rôle d'un homme d'État. Et ce qui est arrivé, c'est que nous n'avons pas fait ça. En 1944, premier intellectuel, même pas un haïtien qui était dans son coin avec l'Isma Banon, c'était le pasteur Bird, qui était écrit un livre où il était fait bilan déjà de nos premières 40 années d'existence en tant que pays. Mais depuis le pasteur Bird, jusqu'à, mon madame Paléa là, plein de monde, économistes, historiens, littérateurs, hommes de théâtre, hommes de science, etc., qui va chambouquer par avertissement. Mais, le problème qu'il y a, c'est que nous plus contentés au jeu world de tout chiffre. Certainement, international, la guerre politique, oui. Oh oui, très certainement. Très certainement, c'est lui-même qui concevoit l'ordre de l'économie mondiale. Mais comment se fait-il, pendant que le concevoit, pendant que Boissy a la l'aise pour joindre des mondes d'accord pour jouer des rôles de sous-chiffres, mais dans l'autre pays, l'oblige de négocier avec des mondes qui disent, nous comprenons ça, Vléa, même besoin que le pays joue, pam, joue nos bagalades. Ici, au niveau haïtien, pour la plupart du temps, nous avons toujours eu des petits courtiers, depuis au joint des petits paillois, qui s'en foutent. Ils foutent de reste pays. Le pays avait une constitution contre pour eux, et puis vrai caillou, c'est en Europe, après ça, qu'on est là, c'est la Floride, mais qu'on est là, c'est la République dominicaine, et puis qu'on est là, on vient arriver dans un point, côté, finalement, international, là, se dit, mon cher, ça me t'espère, j'en ai un plus que ça. Magique 9, toute nouvelle, sans puisque moi, je joins des mounes, qui soit disant du public politique, de l'idée économique et des financières, on dirait qu'il n'y a pas de problème, pour que le pays ne soit pas là, de tout cas, il n'y a pas de problème qu'ils sont là, il n'y a pas de problème qu'ils sont province commerciale dominicaine, eh bien, dans ce cas-là, tant pis, moi-même, qu'à pas la voilà, on le. Ou un signe ambassadeur américain. Qui dit, ma, moi, par là, il n'y a pas longtemps, non? Bah, qui carré peut-être 15 ans. Il a dit, bon, ça a passé, j'aime mon pays, ça est là, bon, définitivement, il n'y a pas besoin de faire des cultures là-dedans, ah, il ne sait pas sous ça encore, pas aucun gouvernement qui a pensé quoi que ce soit. Bon, n'a pas eu manger, n'a pas eu diri, n'a pas eu quoi. Pas gain aucun plan. Tant qu'on n'a pas de plan, pas une politique de population, pas une politique d'aménagement du territoire, pas une politique énergétique, pas une politique de transport, pas une politique dans rien. Donc, si c'est comme ça, Roselyne, n'a pas accommodé le dernier. Donc maintenant, question pour nous poser tête. Je veux dire que tout le monde voit que le pays d'Haïti, c'est un monde d'ado, son machine, que Botel fait. Il n'y a pas qu'à aller plus loin, il mourit dans la rue. La grande question pour nous poser, c'est qui ça a fait?
Bien sûr, international, la guerre politique, la pétition arrive à un point, côté où on a obligé, on l'a demandé, on l'a mettre l'autre là. C'est ça qui a joué là. Ma prépite, nous, encore une fois, Ariel Henry n'est rien. Je n'ai pas même besoin d'adresser à Ariel Henry, il n'existe pas. D'ailleurs, je vous dis très honnêtement, pour vous que je connais, qui occupe mon place, le directeur général dans l'État, qui a discuté un bagage avec le secrétaire président de l'État. Et puis, bah, à la fin de discuter, puis, monsieur dit, eh bien, nous, on a fait le premier là. Et après ça, monsieur dit, nous ne faisons pas la main dans la lime en vent. Même on a dit, je pays là. C'est l'international, c'est un pays qui est sous tutelle. Nous pas gain en rien qu'à décider pays ça sans que l'international n'a pas de bénédiction. Je le répète, à qui veut l'entendre, n'a pas du temps, nous, de ne pas de rester, nous, à Ariel Henry. Il n'est rien, c'est moins que rien. C'est un petit jobber qui a accepté le sale boulot, il a pas exécuté pour patron. Le patron, c'est l'international. Pas gagné qu'a fait là, qu'il n'a pas la donne. Pas gagné qu'a fait là, qu'il n'a pas autorisation pour le faire. Comment t'as qu'à comprendre, mes amis? Sans stress. Sous que y'a un centre de dépôt de carburant, y'a un monsieur, quel qu'il soit, qui est tout pile bagage à l'honneur, qui a décidé de bloquer, et puis gagné pas qu'à débloquer. Comment t'as qu'à comprendre que ça fait? Alors, vous dites, c'est lui qui n'est plus de graines, parce que tout le monde. C'est lui qui est plus ceci, parce que c'est parce que simplement, lui qui boit des bananes. C'est son grain boit des bananes, qui a existé. Il y a l'autre. Comment nous t'as qu'à comprendre que, en soi-disant premier ministre, il était, lui passé, il un gallon gaz, 250 gouttes à 670 gouttes, depuis le 12 FMI. Mes amis, tout le monde qui connaît, qui gère cette pétrolier sur le marché mondial, je connais premièrement que le FMI toujours dit, mais qui prie pour la vendre, par exemple, pétrole là. On est assez où pour décider si c'est la vente. Mais comme c'est chef qui décide, il dit où c'est après ça. Mais tout le monde connaît, tout le monde qui est sur le marché pétrole là, connaît, que vous vendez pétrole, on paquet de côté dans le monde. Deuxièmement, que les prix varient. Malgré la crise en Ukraine. Et tout le monde connaît qu'en Haïti, c'est comme tant d'autres secteurs, son secteur qui est livré aux raquettes. Il ne peut pas échapper tout le bagage à eux. Et n'importe qui spécialiste dans ce domaine, ça a dit qu'un prix qui a vendu sur le marché mondial à différents côtés, a pris au vrai vent noir là, et bien, il y a une marge énorme. Côté de mon pile raquette qui fait combien? Les côtés spécialistes qui ont expliqué ça. Maintenant, je pense véritablement dans une situation côté, je t'ai souhaité que Haïtien réussi comprendre que il y a deux bagailles qui fait pays. Si nous voulons faire pays tout bon. Parce que moi, jusqu'à présent, malgré toute pile parler n'a pas les battre stomac de 1804, etc. De 1804 à nos jours, il y a très peu de monde qui est arrivé dans ce pays, hein, soit comme ministre, soit comme président, qui comprennent ça avec le pays. Il y a le savoir d'abord et la voix. Ou pas ce pays sans ça. Et ceci, excusez-moi. C'est un monsieur qui était bien compris, qui n'a pas aucun diplôme, ni licence, ni maîtrise, ni doctorat. Monsieur ça a atterré tout seul ouverture, il n'est fait pour le retourner, pour le repartir économique. Tout seul ouverture, il comprend très bien. On ne peut pas mettre chita, on ne peut pas mettre gagné, on ne peut pas mettre on ne peut pas mettre force. Non, mais on peut faire tout bagarre avec un baïonnette, mais on ne peut pas chita sous lit. Pour bâtir un pays, il faut gagner le savoir, et savoir que l'on a besoin, parce que faut gagner connaissance pour une économie marché. Et deuxièmement, on a besoin de l'argent tout, parce que l'argent,
son gazoline qui est lié à l'économie moteur. Nous pas qu'à continuer à primer l'ignorance, la corruption, le nous comprendre, et puis nous comprendre nous faire pays. C'est pas vrai. Et c'est soit ça que nous toujours fait et que nous avons payé là, particulièrement pendant ces 60 dernières années. C'est ça que je dis. Pas de prophète, non, là-dedans. La, l'histoire est une science humaine. Il y a des lois là-dedans. L'économie politique sont censées mener. Il y a des lois là-dedans. Ou violer la loi, ou pas respecter la loi, ou payer le chèque. Tôt ou tard. Alors j'espère que nous n'avons pas besoin que les Blancs débarquent là, hein, parce que moi, je regrette ça pour nous. Paris va au moment d'ouvrir. Qu'il y a des affaires de sémantique, qu'il y a des forces d'intervention, des forces d'évasion, on est après là, parce que nous pas arrivons à côté, parce qu'il y a profité de bêtises, de domaine là. Nous pas arrivons à côté, pour des situations totalement incontrôlables, sur tous les points du territoire. Haïti a tout nos cancers qui a fait métastase, pour aller au côté vrai ou pas vrai, pour aller au bagage du point de vue international, qui a obligé fait. Bon, à ce moment-là, je supposais peut-être que le pays a besoin de monde qui est capable de chita, qui peut dire, bon, écoutez, les filles comprennent tout ça, nous, ça fait une idée là, parce que ça qui m'a dit qu'il n'y a pas vraiment. C'est pas un fait que c'est étranger seulement qui est responsable. Nous-mêmes, tout, nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Même si que l'Isté, premier responsable, c'est les concevoir le système mondial, là, d'accord. Mais, ou t'es qu'à ou même, mettre quoi en jeu, pour c'est pas où la trine, pour faire. Pour c'est pas où les passer cocaïne, pour faire. Pour c'est pas où les mauvaises commerciales dominicaines, pour faire. Parce que la République dominicaine, il a mangé pour ses paroles à jouer. Costa Rica, petit pays, tant qu'on a mangé pour ses paroles à jouer. Je ne sais pas si on prend le cas de Cuba. Maintenant, nous-mêmes, mes amis, il faut que nous sommes capables de répéter, comprendre que l'ignorance, la corruption et la violence, eh bien, surtout les deux premiers, parce que des fois, la violence qu'on fait l'histoire marcher. Les deux premiers, surtout, ils n'ont pas qu'à faire le pays. Et maintenant, nous avons pensé spécial justement pour tout le monde, tout jeune, qui part à l'école, pour toutes les gens que nous connaissons. Je vais dire aux grandes bagailles, nous avons un livre là avec nous, nous avons un cahier de voix, revoir ça dès qu'on est déjà, à jamais suspendre. Qu'il y ait des liens avec le savoir. Parce que c'est à grande bagaille que nous pourrons aller. Les nous mourir, c'est à grande bagaille que nous n'avons pas qu'à retirer dans main nous. C'est à grande bagaille qui nous permet de faire venir. Qu'il y ait des livres nous pourrons repasser maintenant. Lire tout ça nous capables. Même si l'école n'est pas ouverte. Mais l'école là, il y a son gros école liée. Les livres existent, est attaché à eux. Même si on aime des timons, on les dit à lui fermer l'école pendant 3 mois. Carrément. 3 mois, j'ai fermé l'école pendant 3 mois. Eh bien, ça qui fait. Pas de internet à l'époque. Pas de même les livres, parce que ça dans le pays. De tout côté, la famille classement et elle, le monde qui était à l'école, eh bien, en fait, ils m'ont étudié, ils ont fait un peu contact avec le savoir, de manière à ce que nous sommes capables de continuer à faire chemin, nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mourir devant nous. Il faut que c'est nous qui pour faire, qui pour faire avenir nous, qui pour faire avenir pays nous. Divorçons de l'ignorance. Divorçons le plus possible de la corruption. Ouais, c'est ça que je dis très rapidement, je ne le dis à là. Moi, attendez où? Ou remarquez que m'quitter ou élaborer parce que m'passez qu'on paquet de questions m'ta qu'à poser ou bah éléments de réponse sur ma PC ils font une synthétisation rapide pour moi si bien comprendre. Route n'apprend là, son route la mener inévitablement vers
en intervention étrangère, intervention militaire étrangère, et j'ai appris là son question de sémantique, et ça, j'en ai pas là, c'est là de la privée. Et là, moi, à côté de la colère, moi, j'ai des bails pour mettre la rage à la colère, ce qui a précipité un petit peu plus vers ça. Sur le fond de l'aggravation de la crise humanitaire, il faut dire que nous avons un bon grand goût, nous avons une pipe pauvre, et il faut mettre ça dans le basket. Là. Maintenant, si vous bien comprenez, on ne peut rien attendre de M. Henry, on ne peut rien attendre de son cabinet, on ne peut rien attendre des petits artifices, des petits accords pour perpétuer le même. Ce qu'il faudrait, c'est un vrai oumblé, une vraie transformation, émergence, un vrai leadership national éclairé, progressiste, patriotique. Et professeur Soukar. Écoute, Robinson, le Sahel, on le connaît très bien. Comme Bob Bay m'a dit, il ne connaît pas rien. Il ne faut pas prendre téléphone pour lui demander la limite qu'elle a. Donc il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien à l'UN. Que mon appel de ma prépite, le Américain dit, monsieur Henry, s'il n'a pas fait ceci. Monsieur Henry, pas tout pareil, ça. C'est Américain qui a besoin de débarrasser de monsieur Henry, il a besoin de facile, tant qu'on m'a mal écrit. Même j'en ai écrit là, c'est facile tout. Vous n'avez pas besoin de gomme ni de chirurgie, là, pour l'autre. Il n'est rien. Et il ne sera jamais rien. Donc, pas de temps, par la monsieur Henry, par la chef, par la patronne, par la monde qui a le job. Là. Papa la Jobert. Le pouvoir de nomination et le pouvoir de révocation. Pour final. Par la madame la ligne, par l'ambassade américaine, par les directement à eux. Pour dire qui ça, par exemple. Pour dire qui ça. Suspend crasé bien haïtien. Suspend crasé. Suspend faire haïtien perdu travail. Maintenant, tu as posé la question. Pour leur dire quoi? Oui. Il faut d'abord leur dire que nous prenons la traite. Ariel n'a pas rien du tout. On parle. Qui sont vrais, qui peuvent les mener nous. Tout gang ça qui crée dans le pays, avec tout pile d'âme ça, que tu sortis. Pour qui ça? À quelle fin? Tout le monde dans le quartier populaire Kadou, de Saint-Alphonse, que depuis de longues années, il y a des individus bizarres qui distribuent les âmes dans tout le quartier populaire. Depuis longtemps. Moi, personnellement, depuis 2009, je connais que dans la ravine, dans la nuit à 1h30 du matin, il y a des gens dans la grosse machine suburbaine qui montent en roue à distribuer les âmes. Depuis 2009. Donc, l'opération qui a planifié le pays ça depuis longtemps, parce que c'est Haïti que M. Hippolyte bâti tout. Cette idée économique bâtie, bien sûr, il était là parce que, bon, il n'y a pas pourquoi avec l'aide internationale. Mais des fois, nous mettons mon époque, on ne peut pas le combat ici, et puis la fin, donc, c'est même tête, elle a continué. On dit, bon, de toute façon, à ce moment-là, Haïti, ça a été tout pour nous détruire. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on fait, là. C'est ça qu'on fait depuis 30 ans. Je commençais par laminer masse populaire, avec cette politique néolibérale, qui envahit le marché haïtien. Avec Diri, avec Poirier, etc. Ça vient créer chômage en masse dans le milieu populaire, dans le milieu paysan. Ça vient créer exode rural massif là, ces villes populatières. Cet effondrement de la goutte. Et depuis le peuple n'a pas qu'à vivre, parce que moi, il n'a qu'à vendre service. À ce moment-là, lui-même, tout le touchait. Et puis, là, le touchait à ça. Le migré, ça fait au-delà. Dans le Canada, là, le bon côté, qui profitait de crise là. Ballon masse monde, que c'est des familles haïtiennes différentes pour former. Et puis le Canada en profite en masse. Les États-Unis en profitent en masse, c'est pas de jambes de dépenser 5 ans. Maintenant, qui est-ce qui a laminé, qui est-ce qui a détruit? C'est le secteur privé haïtien. Vous remarquez depuis quelques temps, le discours, le comportement, c'est de détruire les entreprises haïtiennes. Toutes les entreprises haïtiennes. Banque compris, industrie, toute qualité bagaille. C'est de manière à ce que, je ne suis pas capable de couvrir, et je ne sais pas trop loin, et qu'on complètement à genoux, ou pas qu'on oppose aucune capacité de résistance, et qu'on prenne en moins, je viens de délivrer en bas du jour à apprendre, et bien ils arrivent à leurs conditions, et ils imposent ce qu'ils veulent, sans aucun problème. Ok. Maintenant, on attend
que gagne des monde sous échiquier politique là dans tous les bords on dit comme ça. Et pour le vrai patron, pour me répéter élément de langage, les Américains, ce sont des gens qui sont hors jeu. Et certains là-dedans, eux, ils sont signataires d'accord, on nous dit comme ça, ou sont part d'accord, ou sont partie de certains accords. Si vous comprenez bien, il faut pas y arriver des mouns dans la politique là, des mouns dans l'élite économique là, qui honnête, qui intègre, prend responsabilité, dit Madame Lalime, dit Monsieur Strohmayer ou bien Washington, bref, et les vraies interfaces. Et nous besoin en force d'interposition là pour essayer rééquilibrer situation par rapport à Gangyo. Et nous nous engageons à lutter contre la corruption. Nous nous engageons à rétablir les institutions via les élections que nous souhaitons être démocratiques. Il nous faut une assistance économique pour passer le cap de Sanabdivla. Némit, 1, 2, 3, 4. Qui ça qui t'a doué les messages essentiels et à adresser à ces vrais interlocuteurs qui sont les policiers, les decision makers en Haïti, professeur Soukari? C'est ma dernière question. Malheureusement, l'étape que nous y avons, plus les jours passent, plus nous devenons plus faibles, plus le dialogue va devenir difficile. Et c'est ça qu'a joué là. Parce que qu'on est entre un homme armé et un homme non armé, en vérité, il n'y a pas de dialogue. Ça veut dire, d'autres termes, l'on est armé, l'absimonté, ouais, ou même on est bonne volonté, qu'on fasse pour pas gagner. Donc, ils sont cherchés, j'en dis à là, ou cherchés l'autre force qui pour essayer de résoudre le problème. Maintenant, pas gagner qui fait point 1. Faut nous clair sur ça. Pas gagner qui fait point 1. Premier, condition pour qu'on peuple de la vie, c'est la sécurité. D'ailleurs, on est dans la Bible. Les Moïse, ben, Josué, ben, ton commandement, Josué m'a dit, peuple Israël, là, qui s'en voulait pour ben, répondre, c'est la sécurité. Maintenant, est-ce qu'on force en Haïti, je n'ai jamais dit à la, qui ont force légale que les polices nationales, qui relèvent cette armée d'opérette que Josué a fait, hein, qui cabaille sécurité face à gang, ça, là, non. C'est impossible. On est gardé qualité équipement, qualité des armes, côté au sorti, pour bien comprendre quelle est leur mission. Donc, ce qui veut dire que même monde qui mette une condition pour une là, c'est même monde ça, alors pas capable encore, et qui sont commis pour accorder une salve, là, l'avenir, pour supplier, et puis ça, c'est résoudre le problème. T'as qu'on, j'ai dit, moi, là, même j'ai qu'à éteindre tout. Carrément. Alors maintenant, toute l'affaire, c'est là. Est-ce que Napton, que nous vivons de gré, Jean-Baptiste dit, qu'on soit tellement faible, presque inexistant, est-ce qu'on a pas situation pour dire, nous sauve Léa, qui t'a payé à joindre? Je vous répète la question. Nous sauve Léa, qui t'a payé à joindre? Tout d'abord, qui sauve Léa? C'est évident, c'est le contrôle total de ce territoire et de ses ressources. Mais maintenant, tout le monde connaît que ce territoire et que ses ressources, pour chita pour aller sur la terre, que c'est marbre, que c'est une quantité de ceci et de cela, il faut qu'on base légale pour ça. Parce que ce qui caractérise l'hypocrisie de ces grandes puissances, c'est que quel que soit le crime qu'il y a fait, il y aurait même couvrir avec une couverture légale. En nouvelle constitution, des codes miniers, des codes pour ceci, des codes pour cela. Qui sont abjoints nous-mêmes, la donne. Parce que c'est sacré, nous, comme dernier force. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire sans que ou pas bail accord légal. Parce que l'opinion publique aussi, internationale, ou qu'à jouer sous lui. Ou gagner des instances internationales qui, là, ont cadré. Les petits États, les gouvernements faibles qui montraient aux gens pour discuter des accords. La République Dominique, qui gagne un groupe de la carrière et qui joue une palle là-dedans, Dominique n'a pas de compte discuter des affaires d'accords miniers. C'est à six internationales, ça, qui montraient, qui ont contacté. Mais pour ça, il faut à la tête d'un pays, des mondes qui soucient d'intérêt pays-là. Ou à chercher,
Je me rappelle déjà, en 1972-73, lorsque le ministre Serge Toucan, ministre du Commerce et de l'Industrie, a attaqué la Reynolds, que Duvalier, qui t'a toléré, mais en Haïti, il n'y avait pas d'experts pour pouvoir mener les négociations avec la Reynolds. Déjà, la Caraïbe, te permettre le ministre Foucault de joindre des experts dans l'affaire exploitation ressources naturelles qui viennent entre les provinces, qui encadrent le ministre Foucault et qui aident à mener les négociations et qui font Reynolds payer ça pour le payer. Déjà, en 1973-1974, cette solidarité internationale existait. Malheureusement, je ne dis pas que tu vas aller te prendre contre la lâche, mais maintenant, il faut que nous-mêmes, ne je dis à là, il faut qu'on ait qui joue ce monde la fonctionne. Même si on soit fait pétrole, soit fait énergie, il y a des mondes qui connaissent, il y a des haïtiens qui connaissent, qui j'ai acheté pétrole, qui j'ai pu rejoindre pétrole là, puis pour marcher. Qui je pour faire cette structure de distribution pétrole pour acheter là, qui je pour bâtir une politique énergétique, en tout terme, comme si vous voulez. On a besoin des Haïtiens, on a besoin des mondes, qui voulaient aider Haïti, de le faire international sortir dans sa lia, pour aider nous mener les négociations. Il faut, c'est pour aider nous bâtir l'autre État et l'autre pays. Mais pour ça, pour par exemple, ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit, parce que c'est qui a fait un examen, mais ce n'est pas un problème. Le problème, non, c'est ni quoi que ce soit. Non, c'est possible. Donc, c'est le problème. Donc, maintenant, il faut comparer. Regardez ça, dit l'homme Salvador à faire, président Bouffé. Nous sommes maintenant dans le pays. Mais il n'y a pas mal de temps. Il n'y a pas de responsabilité. Il y a un moyen que nous-mêmes, ici, nous allons, nous nous limons la main. Écoutez, mes amis, même quand il y a des mondes, même quand il y a des mondes qui viennent au tas, qui ont fait toute ma propreté qui ont fait dans le pays, ben, il faut que il y ait des mondes qui aient le courage et l'audace tout. Vous écoutez. Pour l'international, là, comprenez ce que je veux dire. Je ne comprends pas qui est le monde qui est le monde. Je ne comprends pas pratiquement, ou presque, il y a là. Et avant tout, il y a ça, il y a l'histoire. Il y a un monde qui a vécu, c'est pas ça, il m'a vu. Faire une autre bagaille. C'est quoi? Qui s'est passé? On va continuer à gagner beaucoup de people. On va continuer à gagner cette immigration massive et sauvage. La République dominicaine continue à être en danger. Alors on fait quoi? Dit l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des responsabilités à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Pour nous parler international, ce n'est pas un monde qui peut nous dire qu'on va parler. Parce que ça, c'est masqué. Pour parler avec des négociateurs, la plupart, tu vas avoir beaucoup plus de masques que de visages. Professeur Souka, merci oui, pour ton savoir accordé. Nous passons bonne journée. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, nous t'attendons, historien. Hein? Basel était intéressant, pas vrai? Basel était intéressant. Entre-temps, dans diverses zones dans le pays d'Haïti, notamment dans la ville cap-haïtien, mouvement de protestation a continué. Mon a manifesté, il dit fuck Ariel Henry allez. Ariel Henry qui rentre là dans le silence. Un silence zombie. Qui l'est là parler? Qui ça le pral dit? C'est en tout cas une grosse question, un peu le monde a posé. Allez, je vous aime.